Je déclare donc ce premier forum européen de la diversité ouvert. Listen to the Tamar Yonah Show here, broadcasting out of the Intelligence Conference in Jerusalem. This is a live show. It's between 7 and 8 a.m. holy time here in Israel, or if it's between midnight and 1 a.m. Eastern Daylight Time in the Western Hemisphere. En fait, en tant que membre du Club 21e siècle, très active sur les actions en faveur en lien avec les entreprises, et donc dans notamment la création de la FMD, l'Association française des managers de la diversité, nous nous sommes rendus compte avec le club qu'il y avait un besoin d'avoir une approche, un regard croisé, on va dire, une approche comparative, notamment avec le monde académique, mais également avec aussi des perspectives de pays européens, voire plus largement au niveau international. Aujourd'hui, ce n'est plus une thématique sociétale, ce sont des enjeux de création de valeur pour l'entreprise, parce que enfin, l'entreprise a compris que l'égalité des chances est une source de création de valeur. La présence de la diversité dans une société peut permettre d'enrichir les relations diplomatiques et économiques avec les pays d'origine des nationaux qui viennent d'autres pays. Cette dimension internationalisation, pour nous, elle est assez importante. Et on aime bien dire que la diversité est une chance pour la France dans la mondialisation, donc avec cet aspect justement international. C'est un terme qu'on ne peut pas justement cloisonner de telles limites, sa diversité, non. Moi, c'est quelque chose qui évolue au cours du temps et chaque individu a sa propre interprétation en fonction de ses expériences de vie, en fonction de ses origines, en fonction de là où il a vécu. Je m'entraîne des cultures anciennes comme nouvelles. J'essaie de mélanger tout ça. Pour moi, c'est la biodiversité, la diversité culturelle. C'est ce qu'on voit tous les jours et c'est naturel, ça m'inspire, la vie de tous les jours, ça m'inspire justement parce qu'il y a des diversités et rien n'est pareil. En Jamaïque, il y avait une formule qui était la devise de ce pays qui était un melting pot, et il disait « out of many, one people ». Out of many, one enterprise. Thank you.
remercier tous les intervenants et tous les modérateurs d'avoir accepté de participer avec nous à ce premier forum européen de la diversité que nous espérons le premier d'une longue série de rencontres fructueuses autour d'un sujet qui nous est cher. Encore une fois, donc je souhaitais remercier Suez Environnement qui nous a accueillis très chaleureusement dans ses locaux hier et aujourd'hui. Et Jean-Louis Chaussade qui a posé en quelque sorte la première pierre d'une politique de développement social et de diversité qui portera, j'espère, des fruits riches pour l'entreprise.